Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour l'épisode 18 de notre let's play sur le 100 Ghost Challenge. Et je voulais vous faire l'annonce, même si je vous en ai déjà parlé, je crois, je sais plus. J'ai pas mal de vidéos d'avance en ce moment, je vous ai déjà expliqué pourquoi aussi d'ailleurs. Et normalement, du coup, le 18e épisode, donc celui que vous regardez actuellement, est l'avant-dernier. Voilà, au niveau de l'ordre des machinimas, c'est comme ça que ça doit être, sachant qu'au niveau des morts, je sais plus à combien on est, mais on est déjà vraiment bien. Donc, à mon avis, je pense que c'est largement faisable de terminer ça en deux épisodes, donc le 18 et le 19. Ce qui va se passer du coup, c'est qu'aujourd'hui, vous avez eu un machinima au début et c'est tout, il n'y en aura pas d'autres dans l'épisode. Par contre, dans le dernier épisode, il n'y aura pas de machinima au début, mais il y aura un machinima à la fin pour la conclusion, pour quand on aura débloqué les 100 morts. Vous savez très bien ce que ça va débloquer, et donc ça va faire avancer l'histoire, et donc c'est obligé de mettre le machinima à la fin et non au début, c'est plus logique en fait. C'est comme ça que je faisais aussi pour mes précédents let's play. Donc dans le machinima d'introduction, on a eu comment dire, un petit flashback de tous les personnages vivants, en tout cas ceux qui restent malheureusement. Nous avons donc la petite Maiko qui est rentrée chez elle complètement désorientée en fait de ce qui lui est arrivé. Nous avons Opal qui elle a bien grandi dans le présent, puisque là dans le let's play on est dans le passé en fait. Donc nous avons la petite Opal qui est enseignante à l'étranger et on a Jim forcément qui a été arrêté et qui est en prison. Et voilà, tout simplement, je voulais faire un petit flashback des personnages qui restaient avant d'arriver à la conclusion finale, mais vraiment la conclusion finale, donc quand Jim va revenir. Et voilà, donc je vous propose qu'on passe de suite en jeu. Donc il est 6h du matin, la dernière fois on avait refait les deux salles de bain, enfin celle-ci on l'avait refaite et celle du haut on l'avait faite, tout simplement. Donc je vais juste envoyer les filles prendre leur petit-déj. Du coup au niveau de la maison on avait fait ça, il y a deux épisodes de ça, et la dernière fois on avait fait donc la salle de bain du bas et la salle de bain du haut, qui est beaucoup trop mignonne, j'aime vraiment beaucoup cette salle de bain. Il nous restait du coup à faire la petite zone du hall d'escalier en fait, et c'est vraiment le truc dans lequel je ne sais jamais quoi faire. Je sais pas du tout ce que je vais faire, mais je vais le faire aujourd'hui. Et je pense que dans le tout dernier épisode, on s'attaquera à cette zone là, et ensuite on sera tranquille, on aura fini toute la maison, et je pourrai vous la partager dans la galerie, puisque c'est quelque chose qui m'a été demandé. Et nous, on va continuer à tuer des gens, parce qu'il fait encore glacial, on a vraiment de la chance. Depuis que j'ai refait la chambre de Opal, Ruby, elle passe sa vie à manger dans la chambre de Opal. C'est super chiant, c'est super chiant. On avait Morgine la dernière fois. On avait réussi à tuer le Père Noël, c'est vrai. On avait Morgine la dernière fois, du coup, qu'on avait qui apparaît dans nos relations. On l'a pas encore tué, mais je pense que ça ne saurait tarder dès que la petite elle sera à l'école. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aller encore une fois faire apprendre la recette du nigiri de fugu à un sim nul en cuisine. Sauf que au lieu de le faire cuisiner 50 fois, maintenant que j'ai le pouvoir de copier-coller n'importe quel item, on va copier-coller l'assiette, comme ça il aura besoin de cuisiner qu'une seule fois et on pourra s'en débarrasser. Ce sera beaucoup plus simple que de le faire cuisiner plein de fois. Voilà, je pense qu'on va faire ça parce que nigiri de fugu c'est quand même assez intéressant. Nous avons la petite esclave qui est toujours là et nous du coup on va aller à San Michino, du coup là où il y a les stands de nigiri de fugu. Mais c'est qu'il neige ici, enfin il neige, il a neigé.
Ah mais du coup j'ai peur qu'il y ait personne. On va pas engager un vendeur tout de suite. On va attendre qu'il y ait des gens. Il faudrait qu'il y ait au moins une personne. Sinon à la limite ce qu'on fait c'est qu'on invite Morjean. Comme ça c'est Morjean qui apprendra la recette. Ah, il y a quelqu'un qui vient me parler. Attendez, on va se téléporter ici. On va dire bonjour à vous. Présentation amicale. Voilà, comme ça on va pouvoir directement l'ajouter dans le foyer. Et s'il n'a pas de niveau en cuisine, eh ben ce sera notre cuistot. Voilà. Il est tout rouge, c'est abusé. C'est quoi ça? Alors est-ce que t'as un niveau en cuisine ou pas? Pas du tout. Parfait. Alors ensuite. Ah mais les gens en fait ils sont plus ici parce que c'est. Les stands sont ouverts ici en fait. On va se téléporter à cet endroit là. Je rêve ou c'est clavicule encore? Non. Dommage, ça aurait été rigolo. Très mal à l'aise. Ah ouais, non mais non. Non, faut pas que tu meurs maintenant. Nous avons quelqu'un ici aussi. J'espère qu'elle va se réchauffer. On va prendre encore une seule personne parce qu'ensuite on a Morjean du coup. Alors on va se téléporter ici et on va saluer cette personne. C'est bon, elle est plus bleue. Et on va engager un vendeur du coup parce que c'est ce stand là où il y a les nigiri de Fugui. Voilà, comme ça je vais pouvoir dupliquer l'assiette une fois qu'elle l'aura préparée et ce sera fort pratique. Par contre là on va être obligé d'attendre qu'elle mange, ça va être assez long. Voilà, ça y est, c'est bon, elle a mangé, on va pouvoir rentrer. Attendez, je rêve ou il manque quelqu'un là? Attendez, il manque quelqu'un. Oui, il faut encore que j'ajoute un sim dans mon foyer. Faut y partir avec un sim en moins. Attendez, c'est pas possible, faut qu'il y ait quelqu'un là. Attendez, on va se téléporter ici. Comment tu t'appelles? Alex, ok. Hop, ajoutez à la famille. Et voilà, on peut rentrer cette fois-ci. Vous allez rester ici. J'ai pas envie de prendre de risque parce que là, la petite, elle va bientôt rentrer. Donc, on va les faire venir ici. Et je pense qu'on s'occupera d'eux cette nuit. Parce que sinon, c'est trop dangereux. Nigiri de Fugu, portion de groupe. Et faudra pas que j'oublie de la dupliquer, bien sûr. Et nous, on va aller à notre chaudron un petit peu. C'est merveilleux. Attends, t'es qui toi? Nawai. C'est qui Nawai? Pourquoi t'es là? Mais t'es pas dans notre foyer, toi? J'ai rien compris. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai foutu? Je ne sais pas. Ok, on va verrouiller ici. Verrouiller pour. Non, on va verrouiller pour tout le monde sauf moi. Verrouiller pour tout le monde sauf Ruby. Et puis ils vont manger ce qu'il y a là. Et puis on verra. Je pense qu'ils vont pas mourir. Mais sinon, s'ils meurent pas, je les tuerai cette nuit. C'est pas grave. Isabelle a soudain très mal au ventre. Ah, elle est végétarienne en plus. Bah, la pauvre. La pauvre. Ok, on va arrêter la magie. Toi, tu vas venir avec tes collègues là. On va venir dupliquer du coup l'assiette. Bon, il y a personne qui meurt. Je suis déçue. Je suis déçue là, franchement. J'attendais un peu plus de vous. Elle est toute rouge là. Contaminée par la viande, nauséeuse. Elle mange de la nourriture gâtée. Ouais. Elle s'est dupliquée où l'assiette là, attendez. Mais mon assiette de nigiri de Fugu a disparu. Mais à quel moment? Mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y, reviens faire du nigiri de Fugu là, j'ai rien compris. Aujourd'hui, le directeur rend visite à la classe d'Opale. Tout le monde doit se comporter le mieux possible et ne pas interrompre le cours. Malheureusement, l'élève derrière Opale décide de lui jeter des trucs dans le dos. Doit-elle l'ignorer ou lui demander d'arrêter? On va l'ignorer. Opale garde consciencieusement les yeux sur le tableau en espérant que l'élève arrête. Au lieu de cela, l'élève envoie une boule de papier tellement fort qu'elle atterrit sur les pieds de l'instituteur. Pour une fois, c'est quelqu'un d'autre qui est dans le pétrin et Opale qui a le rôle de l'élève innocente et studieuse. Bon, elle s'est fait embêter, mais au moins, elle s'est pas fait mal voir par le directeur. Alors, mais casse-toi! Mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que c'est que cet épisode là, s'il vous plaît? Copier-coller, on va le faire plein de fois. On va attendre cette nuit avant de faire des bêtises avec eux en bas. Pour l'instant, on va les laisser là. Peut-être qu'ils vont mourir de froid ici en fait, hein, je sais pas. Je sais pas du tout honnêtement. On va essayer, mais bon. Je pense pas, puisque la dernière fois ça a pas fonctionné. Donc je vois pas pourquoi là ça marcherait. Ruby a reçu la malédiction des sorts aléatoires parce qu'elle a raté trop de sorts. Attendez, comment ça j'ai raté? Tu vas me faire sort impeccable là. Tu vas mettre ça au frais et on va s'enlever cette malédiction de suite. Hein. Magie. Ah, mais j'ai pas une potion d'annulation de malédiction. Je dois en avoir une, ouais. Suppression de malédiction. Voilà, on va boire ça. Ça devrait le faire. Ensuite, on va se décharger de la magie parce que on a beaucoup trop de magie. Je crois que ça a fonctionné. Ouais. Ruby est submergée par une puissante force magique tandis que toute l'énergie négative quitte son corps. Bon, la petite Toon, elle va rentrer. Donc, on va l'aider à faire ses devoirs. On va laisser passer un peu le temps. Et oh, elle a A de moyenne. Apparemment, Opale a un petit problème avec l'alphabet. Elle n'arrive pas à aller au-delà du A. Bravo. Oh, trop mignonne. On va l'aider à faire ses devoirs. Elle a pas de projet scolaire, non. Reçoit un cours particulier. Vous apprenez tellement plus de choses quand quelqu'un de plus âgé vous aide à faire vos devoirs. Ah bah oui, ça c'est sûr. Donc elle a fait ses devoirs, elle va venir s'amuser un petit peu. Nous aussi on va aller s'amuser un petit peu. On va aller faire un petit tour de vélo là. Opale c'est bon, elle a bien joué, elle va venir manger avec sa mère. Il y a de la nourriture gâtée. Qu'est-ce donc? Je ne sais pas, on va l'enlever après. Bon, quand elle aura fini de manger, elle ira hop faire un pipi, prendre une douche et elle ira faire dodo. Nous, quand on aura terminé, on va venir enlever la nourriture gâtée là parce que je sais pas ce que c'est mais... Bon, on va commencer à les faire sortir hein. Débloquer le temps qui monte et tout, c'est bon, hein. Elle sera au lit déjà. Il manque quelqu'un là, il en manque un. Mais pardon? Mais à quelle heure en fait? Eh oh, tu t'appelles comment toi? Alex. Ah mais vas-y Alex, tu vas mourir. Hein. Et je sens qu'on va pouvoir repartir en chasse directement après ça. Ok, meurs de froid, ils vont tous crever. On va éteindre les lumières, non? Pour l'électricité là.
Ouais, pour les factures surtout, c'est ce que je voulais dire. Ok, ils sont tous en train de mourir, c'est bon, hein, ils sont tous morts. Ok, 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 Isabelle. Il manque plus qu'elle, elle est pas encore morte. Bah c'est normal qu'elle est pas encore morte. Elle est allée prendre une douche brûlante tout à l'heure. Donc forcément. Purée, nous on est fatigués, on va aller dormir et puis on repartira en chasse demain, c'est pas grave. La faucheuse là, bouge-toi non? C'est complètement buggé. Il y a un corps qui a disparu sans tombe. Je suis dégoûtée, il y a une tombe qui apparaîtra pas. Je vous jure qu'elle a disparu. Je vous montrerai un extrait, mais elle a disparu. Mais elle est increvable par contre. Je vais faire comme avec le Père Noël, je vous jure. Est-ce que la tombe de tout à l'heure a vraiment disparu? Elle a vraiment disparu. Bah vous savez quoi? On va utiliser la tombe de Clémence. Vous savez, celle qui est là depuis le début du let's play, je sais pas à qui elle est. On va dire qu'elle servira à remplacer la tombe du mec qui a disparu. Il a disparu sous nos yeux, vraiment. Voilà. On va dire qu'elle servira à ça, comme quoi elle avait bien une utilité. Par contre, elle, elle est increvable. Ok, la petite Toune va aller à l'école aujourd'hui. Je crois qu'on va aller la tuer avec la manière forte, hein. Parce que je n'ai toujours pas... Ah oui, je vous l'ai pas dit. Le mode que j'ai installé pour le Père de Noël, je voulais le désinstaller, mais j'ai oublié en fait, donc il est toujours là. Donc je pense qu'on va l'utiliser pour les Sims qui ne veulent pas mourir alors que c'est un bug, genre, alors qu'ils sont censés mourir, voyez. On va se téléporter ici, on va mettre sa tenue d'hiver, on n'est pas débiles, nous. Parce que voilà, je suis désolée, elle veut pas mourir, elle veut pas mourir, on va l'aider. Hop, on va faire un truc un peu rigolo. On va tester, la dernière fois on a essayé de tuer quelqu'un avec nos fesses. On va essayer Choc on Grilled Cheese. On va la brûler en gros avec du gruyère. Ah non, on lui fait bouffer un gruyère empoisonné en fait, je crois. Je suis désolée, t'avais qu'à mourir, meuf. Ça fait une heure que t'es dehors. Regarde, tes pieds ils sont en train de devenir noirs tellement t'as froid. Attendez, je rêve. Mais elle est pas morte? Non, 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 non. Regardez, je l'ai tuée de mes propres mains. Attendez, 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 attendez. Mais à quelle heure, s'il vous plaît? Attendez. Ok, là on va faire un truc hyper violent, d'accord? Regardez là. Je suis en train de la transpercer, on est d'accord? Alors tu peux mourir? Ok, tu veux jouer à ça? Bah très bien, alors on va nettoyer notre sang, nous, et puis on va faire la manière forte, hein. Morte de froid. Ah mais du coup elle a pas de tombe cette... Moi je m'en fous, je compte quand même comme 89, hein. Même s'il manque une tombe, je l'ai tué, j'en ai rien à faire. Je l'ai tué trois fois même, donc au bout d'un moment c'est bon. Donc voilà, moi je l'ai tué. Au pire vous savez ce qu'on va faire, attendez, je vais essayer un truc. Ce que j'ai fait du coup c'est que je suis allée dans le build mode et je suis allée chercher une tombe dans la carte mémoire du jeu. Parce que je refuse, j'ai quand même tué 5 personnes. Entre l'autre qui a disparu sans sa tombe et l'autre qui a été tué 3 fois mais qui ne voulait pas mourir. Donc du coup on est normalement à 89, on est d'accord. Nous sommes à 89, voilà, je ne veux rien savoir, ok. Non c'est pas normal, je suis désolée, c'est tout sauf normal en fait. Il y a eu un gros bug, deux gros bugs même. Donc on va repartir, déjà on va inviter elle pour la mettre dans notre foyer. On est d'accord, je n'ai pas triché, je l'ai tué 3 fois sous vos yeux, donc à mon avis, elle veut pas mourir, je vais forcer le destin quoi. Voilà, tout simplement. On va ajouter elle à notre famille et on va repartir pour de nouvelles aventures. Cet épisode c'est une catastrophe, c'est l'avant-dernier épisode, ils m'ont tout fait là les Sims. L'autre qui meurt, qui disparaît, genre il s'est désintégré, n'importe quoi. Bref, on a déjà quelqu'un ici, mais j'ai l'impression que j'arrête pas de tuer des gens qui ont cette coiffure. Ah j'ai oublié de me rajouter 5000, voilà, 5000 pour du coup les 5 sims de tout à l'heure, qui m'ont donné bien du fil à retordre. Ah bah parfait, il y en a une qui vient de popper sous nos yeux, nous sommes au complet. Donc on va tous les faire venir ici, nous il faut absolument qu'on aille faire pipi, on n'en peut plus. Nous allons verrouiller la porte, et vous allez tous graille, hop. Qui sera le premier, qui sera le dernier, haha. Regardez elle a des palmes, non mais n'importe quoi. Ok on en a une qui meurt déjà, nickel. Prendre une portion, et... Prendre une potion. Rieko est en train de mourir. Nickel. Je suis contente, moi, ça me va. Il y a Opal qui est rentré. Ses besoins sont plutôt bien. Potion de stabilité émotionnelle. C'est génial. Bon, vous allez pas vous la jouer Survivor, là, s'il vous plaît, les trois qui restent, là. Faites un effort. Ah, c'est Yusuke. Attention, il a l'assiette dans l'inventaire, lui. Il faut qu'on lui enlève. Ah non, elle est plus dans son inventaire, je suis bête. Devoir terminé. Elle les fait de plus en plus rapidement, hein, ces devoirs. C'est trop bien. Vous mourrez pas, hein. Vous voulez pas mourir, vous. Non, vous, ça vous dit rien de mourir. On va les faire discuter un petit peu ensemble, révéler un secret bien enfoui, plaisanter sur la poule mouillée. Ok, Opal, elle va aller faire dodo. Et vous, je vais vous tuer de froid parce que vous me saoulez. Elles sont bien résistantes aux nigiri de fugu. Est-ce que vous en diriez autant pour le froid? Je ne pense pas. Hein, je ne pense pas. À moins que vous allez me la faire comme l'autre, là. Genre l'autre qui a disparu et l'autre qui était increvable. Je l'ai tué 3 fois, elle est pas morte. Kyoto est en train de mourir. Et Itomi aussi. Ok, donc on va se mettre 2000. Écoutez. On va laisser passer la nuit, et quand il fera jour, on s'occupera de la maison. Il y a un fantôme qui fait des bêtises. Ok, on va juste venir faire... non, pas réparer. On va venir faire Repario. Et on va du coup faire cette zone-là. Je pense que je vais déjà venir caser des petits rideaux pour habiller un peu. On va venir mettre des petits tapis au niveau des portes. Bah, la dernière fois, je voulais caser justement des éléments de plantes, etc. Je disais, oh, il n'y avait pas de place et tout dans le salon. Peut-être qu'ici, il y a de la place. Sachant que ce sont des trucs vraiment imposants. C'était quoi déjà d'ailleurs? C'était ça, là.
Regardez, mais même là, il n'y a pas de place. Même dans cette zone de la maison, il n'y a pas de place. Et si je le rétrécis? Si je le rétrécis, ça passe. J'ai trop envie de le mettre, en fait. C'est tellement beau. Peut-être qu'on peut mettre, je sais pas, un petit coin bibliothèque. Alors, je vais peut-être enlever cette fenêtre-là. Parce que pour le coup, elle me dérange. Du coup, peut-être que je peux mettre ça ici. Si je mets la taille d'origine... Ouais, non, c'est trop grand. On va quand même le garder plus petit. Mais ouais, je trouve que c'est mieux ici. Là, on garde la plante ici. Et là, on met une petite bibliothèque sympa, pourquoi pas. Regardez, on peut même rajouter un fauteuil sympa. Il n'y a pas des petits poufs? Ouais, il y a des petits trucs comme ça aussi. Il y a quoi comme coloris? On va prendre un coloris violet. Moi, je veux bien un petit truc ici. Genre ça, pourquoi pas. Mais pas cette couleur. Moi, j'aime bien. Ok, pour l'entrée, enfin pour la petite zone ici, c'est pas mal, un petit coin détente. J'ai peut-être changé la couleur de la bibliothèque, non? Ouais, sympa comme ça, moi j'aime bien. J'aime bien comme ça. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là du coup pour la petite zone ici. La prochaine fois, on fera cet endroit-là. Par contre, pour ce qui est du rez-de-chaussée, on a fini là, hein, clairement. L'étage est terminé aussi du coup. Je vous propose donc qu'on s'arrête ici pour cette vidéo. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me ferait très plaisir. Et restez bien à l'affût la semaine prochaine pour le dernier épisode du Let's Play. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye!